Vous savez, la vérité, c'est faut toujours venir à la source. Vous avez remarqué que il y a eu une visite ici. Cette visite du Premier ministre, et on a décidé. Le gouvernement a dit, il va donner petit à petit, hein, pour éviter à ce qu'on puisse fermer les stades. Vous voyez, la CAF a décidé de pouvoir fermer les stades de martyrs. Donc, il fallait tout faire pour qu'on ne ferme pas les stades. À notre niveau, nous avons dit, tous les experts, ensemble, nous avons dit, on va privilégier d'abord l'aire de jeu. L'aire de jeu, avec les experts de la CAF, on pouvait, avec 200 000 dollars, on pouvait déjà pouvoir remplacer l'aire de jeu. Donc, il fallait qu'on puisse consulter le président de la FECOFA, qui allait appeler la CAF. Il y a des experts et ils peuvent nous amener la bonne pelouse synthétique, hein, et remplacer l'aire de jeu. Bien sûr, avec un 100 000, on pouvait moderniser les vestiaires et renforcer l'électricité. Et enfin, avec les restes, on pouvait ajouter quelques chaises. Vous savez, les chaises au stade, hein, on en a besoin. Il faut continuer à ajouter. Alors, nous, on avait aussi l'ambition de qu'on puisse aménager. Parce que souvent, là où se trouve la presse, la tribune de presse, ce n'est pas l'endroit attitré. On doit aménager la tribune de presse. On a dit que ça viendra en quatrième, ouais, au quatrième niveau. Je crois que le gouvernement a réellement commencé à libérer les moyens. C'est ainsi que nous avons dit, l'entreprise qui a récupéré les moyens devra en profiter maintenant. Ce n'est pas 13 millions. Nous avons dit, l'entreprise qui a récupéré les moyens devra en profiter maintenant. Ce n'est pas 13 millions, non. Ce n'est pas 13 millions. Hein? 13 millions, c'est... Le tout, ça donnait 350 000 dollars. C'est par tranche qu'on allait donner. Hein? Parce qu'avec les difficultés actuelles, alors, nous avons dit, comme il y a une première tranche qui est sortie, moi je ne connais pas les montants, je vous dois bien la vérité, il faut voir l'entreprise qui a gagné ce marché-là. Nous avons dit qu'on commence par moderniser les vestiaires. Le temps que nous soyons en contact avec la CAF, ouais, avec le président Constant, de manière à ce que dès que nous avons les adresses, dès que nous avons les assurances, on va les revirer les 200 000 dollars. Parce que l'aire de jeu, il faut absolument changer les tours parce que ça a trop duré, ça commence à créer des problèmes. C'est ça la vérité.